Salut tout le monde, c'est Namsty, aujourd'hui on se trouve sur... Stop Production, The World. A Bootlegs Day, voilà. Du coup ça fait super plaisir, ça c'est un jeu qui ressemble énormément à Bizarre Day. J'avais déjà fait une vidéo dessus auparavant. Et voilà, voilà, c'est ça qui est ça. Et donc, ce qu'on doit faire dans ce jeu, c'est tout simplement bah, avoir un stand, un mode, je sais pas d'autre. Et puis après, voilà, c'est ça qui est ça. Vous aurez pour le remarquer, c'est totalement différent. Un peu beaucoup totalement même. Du coup moi je peux courir comme ça, ouais, à la vitesse de la lumière, c'est incroyable. C'est incroyable comme je cours vite. Et en gros voilà, je peux faire des trucs comme ça. Moi par exemple celui que j'ai c'est Joseph Hamon, voilà, c'est Joseph celui que j'ai. Et du coup voilà quoi, c'est ça qui est ça. On va essayer de combattre des petits mecs, voilà, comme ci comme ça. Déjà je vais vous montrer un petit showcase, vite fait, bien fait, voilà. Donc on peut pas attaquer le enchanté du mai parce que c'est que le stand of heaven qui peut l'attaquer. Hop, il y a quelqu'un qui a Starpatima Zawardo. D'accord. Par contre il y a un gars aussi là qui m'a fait des dégâts. Qui est-ce? Moi pas comprendo. Oh non. Ouais, il a failli me désintégrer encore une fois. Yo. Mais pourquoi je me désintègre tout le temps, c'est incroyable. Mais je voulais juste pour vous montrer le showcase de base. Et après je voulais essayer de les tuer. Mais pourquoi? J'ai changé de serveur parce que l'autre serveur il y avait beaucoup de gens qui voulaient se fight. Alors que bah, c'est pas vraiment ce que je veux au base. De base, au début. Voilà. Donc vous savez quoi? On va faire le showcase. Déjà on va essayer d'appuyer sur A. Donc voilà, A. Ça les repousse et ça fait beaucoup de dégâts pour de vrai. Voilà. On va faire E cette fois. Ok, ça les repousse et ça fait, je pense, un peu plus de dégâts. Du coup, voilà. On va faire R. R, ça tire de loin en fait. Genre comme ça. Et ça balance un truc sur E. D'accord. C'est ça qui est ça. Donc, on va faire T maintenant. T, ça les attire vers nous et ça fait des dégâts en même temps. Maintenant, Y. Non, Y ça fait rien. Non, mais Y ça fait rien. Donc, on va faire V. Vous voyez, c'est très très utile. Regardez. Regarde-moi ça. Joseph sort sa Thompson et après tire des balles sur bah, le joueur en fait, tout simplement. C'est tellement stylé pour vrai. Il sort sa Thompson et après il l'attaque comme ça. Ça c'est super stylé pour de vrai, j'aime trop. Donc on appuie sur G, ça fait ça, tout simplement. Et ça s'arrête à un moment. Et bah ce qui est le plus approprié à faire ça, on fait G et on fait N en même temps. Voilà, comme ça il dit nice. Au bon moment. Et bah il dit que nice en fait. Voilà quoi. Il peut que dire ça. Après ce qu'on peut faire c'est aussi W. On appuie sur W là. Et on peut courir. On peut courir comme ça. C'est ultra stylé quoi. Regardez-moi. C'est Usain Bolt. Le truc c'est Usain Bolt quoi. Quand on appuie sur C, bah ça fait une roulade normale. Et voilà quoi, c'est tout. Voilà, V ça fait ça. Et B ça fait rien, ouais. G ça fait quoi? Bah oui, G ça fait ça, c'est vrai. H ça fait quoi? H ça fait rien. J aussi ça fait rien. F. Ah, j'avais jamais utilisé F. Ah d'accord. Donc F ça fait ça. J'attends qu'est-ce que ça se recharge parce que je pense que ça va prendre 10 ans. Donc, vas-y, on va essayer d'appuyer sur F. Allez. Et maintenant? Non, ça marche toujours pas. Mais vas-y, pourquoi F ça marche pas? Mais oh là là, c'est incroyable. Je pense que ça prend énormément de temps pour se recharger parce que en fait c'est super fort. Voilà. Bon, vas-y, on va essayer d'appuyer sur F là. Vas-y, on appuie sur F et ça fait quoi? Ok, ça balance un truc. Ça balance un laser rouge, d'accord. Mais je pense que ça doit faire beaucoup de dégâts. Je pense que c'est pour ça que ça se recharge ultra lentement. Ouais, je vois. Ouais, bon. Star Platinum, the world. Oh, par contre, là, les gens qui ont time stop, je ne les aime pas. Arrête. Tu n'aurais pas dû faire time stop, désolé, mais bon. Voilà, c'est la vie. On va un peu explorer la map pour voir. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des trucs. Non. Non, il n'y a pas de truc. Ok, là, il y a le terrain de basket, comme d'hab. Là, il y a la plage aussi. Oh, on peut lui parler à lui. Alors, tu veux vraiment une ability qui peut basiquement te rendre normal? Ça coûte 100 000. Quoi?
Comment ça coûte 100 000? Hey, yeah, pour 100 000. Waouh, c'est quoi ça? Hey, yeah. Je connais pas ça. Je ne connais pas du tout ce truc. Et 100 000, c'est énorme. Du coup, mais de toute façon, je peux même pas l'acheter. Voilà. Le cash dans ce jeu-là... Ah. Il y a quelqu'un qui nous a fait un truc. Le cash dans ce jeu-là, il nous donne 500 euros. Voilà. C'était juste pour dire. Ouais, bon, voilà, c'est à peu près tout pour ce jeu, hein, voilà. C'est un petit jeu, comme ci, comme ça. Oh, par contre, vous savez quoi? Pour la fin, j'ai juste défoncé ce Star Platinum-là. Parce qu'il a attaqué quelqu'un auquel j'avais proposé un 1v1. Wow. Il y a The World qui a soufflé le temps. Alors là, tu vas pas t'en tirer vivant. Voilà, c'est bon, il est mort. Il avait pas qu'à attaquer l'autre. Vas-y, tu veux te battre? On va encore se battre, let's go. Je peux pas lancer des balles de Thompson. Hein, mais... What? What? Il m'a attaqué 2 km. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Pourquoi il attaque plus? Je pense qu'il s'est calmé un peu. Ouais. Je pense. Et bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'est super plaisir. Merci à tous qui le font. Voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao à tout le monde et peace.